qu'est-ce que je fais là en facecam là? C'est quoi le délire? Il se passe quoi là? C'est pas une vidéo school RP normalement dans... Je comprends pas. Pourquoi je suis là? Mais... Ah mais c'est quoi ce truc là? Mais c'est quoi ce truc là? Mais... C'est pas le Discord? C'est pas le Discord de Narix? Mais c'est un truc de ouf! Mais c'est pas possible! Il a enfin fait un Discord! Après 1000 ans que les abonnés lui ont rabâché! Navex, c'est quand ton Discord? Quand est-ce que t'ouvres un Discord? Pourquoi t'as pas de Discord? Mais ça y est! Il est là! Enfin! Eh bah oui, les amis. Tout simplement, Discord, Navex, dans la description. Vous pouvez venir. Je vous attends nombreux. Il y aura des giveaways. Il y aura des concours. Il y aura tout simplement, si tu veux me parler, je serai là à discuter avec toi de tout, de rien. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à venir dans la description. Et aussi, je voulais venir avant que la vidéo ne se lance, puisqu'il y a une vidéo qui suit cette vidéo. C'est incroyable, double vidéo. On ne sait plus. C'est n'importe quoi. Je voulais vous dire concernant cette vidéo, je suis désolé. Elle a mis du temps à venir, mais je savais pas trop si je devais la sortir ou pas. Mais au final, je me suis dit que tu sais quoi, les abonnés, ils ont envie de voir, ils ont envie de savoir, ils ont envie de kiffer. Alors vas-y, sors là, arrête de faire ta tapette. Hein, parce que ça suffit là de faire ton fragile là, réfléchir 20 ans, tu la sors, tu te casses pas les couilles et tu fais pas chier. Et voilà. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Profitez bien, à bientôt. C'était Navex. Peace. Ah bah mon vieux, c'est stylé la petite chaîne et tout là. Je peux toucher? Mais après la bosse. Ouais, mais tant que vous appuyez pas sur le bouton lecture, c'est bon. Teste micro, teste micro, teste micro. Momo, désolé. Je voulais faire les tests. Je t'as pas. Le beau matos quand même, hein, beau PC. Eh, test micro, c'est pas le micro, c'est pas... Faites pas de conneries les enfants avec le micro s'il vous plaît. Ah, j'en ai envie, j'ai envie de le tuer celui-là. Vas-y, Momo là. Test. Vas-y, j'allais allumer le micro là. Fumet, c'est fantastique. Fumet, c'est fantastique. Attendez, essayez de chanter. Chantez plus fort maintenant, c'est allumé là. D'accord. Fumet, c'est fantastique. Fumet, c'est merveilleux. Niquez des buts, c'est magnifique. Et faire Ligue, c'est encore mieux. Eh ouais, ouais, ouais. Eh, ça marche? Oui, ça marche bien. Putain, Momo, tu crois que ça m'amuse de taper sur toi? Ça fait combien d'années que je tape sur toi tous les jours, Momo? Oui, Momo, à chaque fois il est par terre, Momo. Déjà la deuxième ou troisième fois qu'il est par terre, Momo, il vient d'arriver. Comporte-toi bien, Momo. Ah, Momo, tu m'entends maintenant? C'est bon, t'as nettoyé tes oreilles, c'est bon, tu m'entends? Oui, j'ai dit. Ah, c'est bon, voilà, t'as l'air. Le monsieur Pekao, il m'a chétanisé, j'entendais plus rien. Dès que je m'approchais de lui, il m'a chétanisé. Il tient pas de ses canettes, Momo. C'est un chétanisé. C'est du chelou, il a dit. Ouais, c'est quoi ça? Il m'a marabouté. C'est un vrai flingue ça? Ouais, mais ça, c'est pas pour toi, c'est pour les grands garçons, t'étais encore trop petit. Ah, ouais, c'est monsieur Sardine, pardon. Bah non, vas-y, fais croquer. Regarde là-bas. Oh, c'est quoi? C'est moi qui ai installé tout ça. Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est quoi? De tir. Vous allez raconter que des sonnettes. De toute façon, vous allez raconter que des sonnettes. Ça va être que des sonnettes. Ah, putain, je comprends pas. Je suis content, j'ai envie de te taper. Mais ouais, comment ça se fait? Pourquoi vous voulez tout le temps me taper? Ouais, c'est pas cool. Ouais, je sais pas. Il faudrait que je demande à monsieur Osman, professeur de médecine. Ouais, j'avoue, parce que. Pourquoi à chaque fois que je vois Momo, j'ai envie de taper sur lui? Ah, vous êtes. Je suis content de voir, mais j'ai Momo allergique. Bon, comme vous voyez, on arrive à la fin de l'année, on est au dernier jour. On a fait venir un DJ pour faire la fête de la musique là pour vous, mais. Mais on s'emballe pas là, c'est pas encore. Là pour l'instant, on va passer les examens de fin d'année. Donc, on a un petit peu simplifié là parce qu'on a vu que là il n'y en a pas beaucoup qui passent. Mais faut dire qu'on a que 3% de réussite. Voilà, Flash Cool. 3% de réussite. On est la pire école de l'Amérique. En même temps, elle est pétée l'école, voilà. Monsieur. On va pas se cacher. Mais vous faites quoi ici, vous? Ah, pourquoi vous venez? Écoutez-moi.
C'est bon, merci Saladin de ton intervention. Ah oui, d'accord, on va verser. Cool. Alors, vas-y, on va verser. À toi, mon petit gars. Toi, on va faire toujours commerce aussi. Tu vois donc, monsieur Saladin. Bon, moi, je vais venir te fracasser ta tête, toi un peu. 2 millions d'euros. Comment ça, 2 millions? C'est pas une palme là. Arrête, je vais te taper. Bon, bon, je vais me lever, je vais venir te chercher en haut, tu vas voir, tu vas pas faire le bailleul. Non, je comprends là. Bon, enfin, je vais te remettre des zéros, toute manière. Je vais te remettre les zéros. Ah ouais, tiens, bon, attendez. On va régler un petit problème, j'avais. Bon, allez, les prochains moments, Mickey, vous venez. Oui. Les prochains, les élèves qui sont pas passés. Oui, monsieur le directeur, monsieur Picao. Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Picao? Alors, attendez votre tour. D'abord, il y a 2 élèves qui vont passer, et après, ça va être aux autres. On va prendre Mickey, oui, mais pas la peine de t'asseoir, Mickey. Viens, puis on va passer l'examen avec lui, là. Avec le petit t-shirt noir. Libre la ma jambe, couillard. Ne m'insultez pas, j'essaie de vous aider au mieux. Alors, je regarde sa jambe attentivement, et je vois qu'il s'est fait piquer par une méduse. Aïe, méduse. Picao. Comment ça? Aïe. Du coup, je dois uriner sur la plaie. Ouais. Ouais. Non, mais est-ce que monsieur Picao, je sors mon sgeg et... Il va sortir ton serpent. Il va sortir le reptile. Arrêtez ça. Oh là là, c'est quoi ces élèves de merde encore une fois? Bah monsieur... T'es bien mis bien, c'est ça qu'il faut faire. Que je pouvais. Ah oui, vous c'était pas mal, mais votre camarade là-bas est... Oh bah il s'est complètement pas... D'accord. Oh, allez, je vous laisse tirer le sujet là maintenant, monsieur Charlie, s'il vous plaît, là, aidez-moi. Ah, monsieur Charlie va faire. C'est qui les élèves on fait les Justin Bieber. Ah, ben, vous baby, baby, les deux prochains. Oh, mais tu comme baby, baby, chat, moi. C'est pas ça? Mais tu vas la faire, mais mon gros, un peu bordel. Maintenant, ils sont trop bien. Eh bah, l'heureux gagnant est Momo. Oh merde, oh mais j'aurais dû faire mon gueule. Oh t'as gagné. Ah oh, bah moi j'ai une très bonne idée même si vous voulez Charlie, attendez. Ah ouais c'est vrai, j'ai gagné du coup. Eh hey, j'ai gagné quoi? GG frère. C'est quoi? Oui oh, Momo t'as gagné. Je sais pas ce que j'ai gagné. Je peux avoir ma surprise. Ouais. Allez Momo lève-toi. C'est le PS4. Bah je suis tout seul. Momo. Je fais ma scène tout seul c'est ça. Et tu sais quoi en plus? C'est là qu'on va se parler parce que je vais tirer le sujet de ton examen. Attendez, moi je sais, moi je sais le sujet. C'est j'arrive devant une mademoiselle comme ça, j'arrive et je lui fais ti joli ti belle. Et après une fois que je lui fais ti joli ti belle, elle tombe sous mon charme comme ça, elle me fait oh moi t'es trop sexy, moi t'es trop beau gosse. Et après ça finit en sbrrr, vous voyez. Ah, c'est pas ça. Oh non c'est pas ça non plus. Ouais c'est le sujet musique. Alors chante-nous une chanson bordel Momo, c'est ça le sujet bordel, allez vas-y on te voit. Mais ça c'est trop facile, vous voulez que je passe mon année en fait, c'est ça? Ah ouais je suis bien déçu parce que t'as une musique mais bon. Bon attendez. T'as bien de la chance on va dire. Mais d'abord il faut que je me prépare mentalement. Je fais sortir mon petit jumbo, attendez. Ah désolé pour vous autres les camarades, y'a plus de sujet musique à point. C'est Momo Kaïl Gouolo. Alors, est-ce que vous êtes prêts dans la salle? T'as quitté l'examen. C'est le moment, c'est le moment, c'est le plus beau, c'est moi, je viens du ghetto, et c'est pour vous, cette petite concerto, ok? Est-ce que vous êtes chaud? Moi, ouais! Allez, c'est parti! Salut mademoiselle, t'es jolie, t'es belle, t'as des cheveux du miel, mais comment tu t'appelles? Viens dans mon studio, je te fais des photos avec du thé bien chaud et des petits gâteaux. Wow, wow, wow. Ner, cabine, la voiture rouge, sont venus faire l'enquête. One time, attention les lunettes, time. Ner, cabine, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête one time. Attention les lunettes time. Et voilà, voilà pour vous. En direct live de l'école. Ouais. Et si vous voulez du shit, n'hésitez pas à me contacter au 06 86 83 72. Une deuxième. Ouais, c'est pour aller t'asseoir. Simple examen. Pourquoi elle s'est pas mis à poil? Le proviseur, il nous fait une... Il fait exprès?
Ouais, je pense que c'est un piège. Ouais, c'est possible. Il veut nous faire redoubler à chaque fois, il nous donne des examens chelous. Mais ça se trouve, en fait, au final... C'est à cause de lui. Ça se trouve, en fait, c'est lui, il veut que tout le temps on reste, en fait. Parce que, du coup, il aura plus jamais d'autres élèves. En fait, c'est parce qu'il veut faire tout le temps de l'argent sur nous. Non, sexuel. Ouais. Tout le temps, nos parents, ils payent toutes les années. Et au final, c'est parce qu'en fait, il y a personne qui veut rejoindre son école, il y a que nous. Il y a que nos parents qui sont complètement débiles pour payer cette école. Ah ouais, regarde-moi ça. Quel bel homme. Avec son gros gag. Quel bel homme, ouais. Avec ton gros gag. C'est gentil. Ouais, je te jure, son gag, on voit à travers des fossiles. Oui. Pourquoi pas, oui. Ouais, je pense qu'il peut mettre des gifles avec son gag, frère. Il y a une légende qui dit qu'il peut sortir son gag. Et qu'il peut aller jusqu'à Mars avec. Charlie, si, je te jure. Charlie, t'aurais pas vu Luigi? Mais j'ai rien fait, moi, laissez-moi tranquille. Calmez-vous, monsieur le directeur. Courez. Si vous voulez, je le chope. De quoi je t'ai pas vu, Momo? Oh, pas de Charlie. Non, laissez-moi tranquille. De quoi je t'ai pas entendu, Momo? Bonnel, t'es sonnette. Il était déjà pas tel. Voilà la légende d'amour que tu vois, je t'ai pisté sur quoi, Momo? Vous avez une belle droite, monsieur le directeur. A few moments later. Moi, je préfère les casques Beats. T'aimes bien les Beats? Ah bah ça m'étonne pas. Attends, viens ici, toi. Ouais, laisse-moi tranquille. Je vais te buter. Maman, viens ici, parce que tu restes aux femmes. Voilà, t'as pas le temps. Est-ce que c'est envers mademoiselle ou je te tape? Allez, je m'en bats les couilles! Jeune homme, ça va pas, mademoiselle, j'en ai rien à péter! Vas-y! Mais je comprends pas pourquoi ils veulent te taper en fait. Et pourquoi tu cours aussi? Bah, je sais pas. En fait, il veut se faire taper parce qu'il a dit à Hélène qu'elle aime les beats. Bah, je sais pas, moi je sais pas. Mon casque. Moi je sais pas, moi j'entends, ouais, moi j'aime les beats. Vas-y, c'est bon, moi. Mais c'est tout. Comment ça, elle des pas de... Mais elle parlait pas de. Ouais, elle parlait du casque, elle parlait pas de. Eh, mais. Vous avez les yeux mal passés. Non, Alexis, c'est pas ce que tu crois, je suis sûr. Attends, Momo, t'es gay? Non, Alexis, c'est pas ce que tu crois. C'est le début de la fête de maturité ou quoi là? Ouais. Tu as tout compris, Alexis. Attends, parce que j'entends, j'arrive, j'aime les bits. Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est parce ah, que mais vous avez... c'est le casque du monsieur, tu vois, c'est un casque bit. Bonjour, messieurs, excusez-moi de vous déranger. Voulez-vous une tasse de thé à la libanaise? Sinon, il y a la kermesse, donc elle est devant les rangs, devant la scène, tout de suite. C'est bon, tranquille, ouais. Ça, c'est dit, hein. Ah, vache. Putain. A few moments later. Tu sais, du sang séché. Mais faut se tirer où là? Faut se tirer où? Tu tires sur les bouteilles. Sur les bouteilles. T'as droit à 3 essais. À combien d'essais? 2 ratés, t'égales une patate offerte. 3 essais. Allez, Momo. Attends, il nous faut un docteur. Moi, je suis un agent du FBI. Tais-moi, je suis un agent du FBI. Ah ouais, mon gars! Ah ouais, t'inquiète même pas! Il est dangereux lui! Monsieur Charlie! T'inquiète même pas! Couchez-vous tous! Vous pouvez venir, s'il vous plaît! C'est un hold-up! On a un problème! Couchez-vous tous, bordel de merde! J'ai jamais tiré avec ça, je sais pas! Elle a fait mettre une balle dans la tête, ce con! Ah ouais! Ah, il a encore raté! Passe-le au poil de carotte maintenant! Arrête de pousser, toi! Non, arrête de pousser! Passe avec les munitions! Ouais, je sais pas, j'ai pas trop envie. On peut pas les munitions, hein. J'ai pas trop envie. T'as dit quoi? T'as 3 secondes. Encore un petit tir. Vas-y, je fais encore un petit tir, attends. Ah voilà. Comment je suis trop chaud. Bon, allez, repasse à poil de carotte. Je te jure, je vais le mettre à terre, t'as 3 secondes. Ah, c'est bon. 1. Ah, c'est bon, arrête de m'agresser. Allez, dépêchez-vous. Tu me stresses. Wow! Tu me fais le stress! Non, mais c'est Regardez comment il bouge! Tout va bien, c'est rien! C'est de l'exercice! Monsieur Marabout! Non, c'est un petit coup de pistolet! C'est un petit pistolet pas moyen! Je crois qu'il était surtout en train de faire une crise épileptique là! Allez, tu pousses ça, maman, je vais te remettre un petit coup dans le museau sinon! Putain, je vais le massacrer! T'as 3 secondes! Vois le pistolet, dépêche-toi! Vois le pistolet, bordel de merde! Ah, le pistolet! Au pire, ce que je vais faire, attends! C'est quoi ça? C'est. Ouais, je viens de recevoir ton message là, ouais!
su comme... T'es trop tard mais... dans ta tête. Mais en même temps vous m'avez tasé, wesh. Vous êtes un fou dans votre tête. Pourquoi vous passez devant moi, passez derrière? Non mais moi, toi t'as un jeu. Ma place a été volée, là c'est un jouet ça, dites pas où. Putain. Vas-y, monsieur le DJ. Ma place a été volée. Je dois revenir, je dois aller rechercher des munitions. Allez, je suis gentil, je reste. Dans ce lit là, parce qu'il a usé tout ce con. Je reviens. Oh, elle utilise le tableau. Wow, wow. Ouais, c'est quoi, monsieur, prêtez-moi ça toujours là. Ah ben voilà, Charlie, s'il vous plaît, pointez votre pistolet. Monsieur, prêtez-moi. Hé, doucement. Oh putain. Elle pointe. Deux pour le poil. Oh, oh, position, monsieur. Position, peut-être. Il a l'air d'être lourd celle-là, faudrait que vous m'aidiez, hein, monsieur. Ouais, mais j'ai une idée. Je mets une bouteille parce que vous voyez ma coupe, elle est plate comme ça. Eh ben, je mets une bouteille sur ma tête et vous tirez sur la bouteille. Ouais, vas-y. Vas-y, on fait ça. T'inquiète pas. Oh putain, le con. Il est complètement mais, con. Mais c'est pas con celui-là. Vous avez pas confiance, je vise bien moi. Vous pouvez tirer, Momo est en sécurité. Ah non, il est plus en sécurité. Voilà, vous êtes prêts ou pas? Momo, casse-toi là. Je mets une bouteille sur ma tête, attendez. Je vais te fracasser. Non mais attendez, ça peut être cool. Ça peut faire comme dans les films là, avec les pommes, les flèches et tout. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça peut pas être cool. Lui, c'est pas visé, putain. Merci, monsieur. Mais bon, je sais pas, ouais, Momo, mais foutez Momo en tôle quoi. Allez, poil de carotte. Mais c'est pas... C'est un vrai pistolet, ça. Mais t'as couché vous, bande de merde, c'est poil de carotte. Monsieur, comment faut faire, monsieur? Comment faut faire? C'est l'autre pistolet, jeune homme. Les gars, vous pouvez faire quelque chose avec Momo là, il est en train de me rendre complètement fou là. Poil de carotte, il vise bien au-dessus de ma tête, hein. Tu vois la bouteille au-dessus. Premier round. T'inquiète pas. Bah écoute, tu sais, tout le monde me dit que je suis malade et que je suis pas bien, et du coup, ce soir, ils veulent qu'on parte, tu sais. Là, il faut pas l'endroit interdit. Moi, je connais pas l'endroit. Et regarde-moi ce bâtard de boutonneux, je le vois là, il est là-dedans. Il connaît l'endroit, il veut pas m'emmener. Il faut qu'on lui fait. On lui dit de nous emmener. Non, viens voir. Ça va ou quoi, Boutonneux? Tranquille? Boutonneux, tu sais. Il est rentré là-dedans. Même pas, il dit bonjour. Eh, dis bonjour. Mais ta grosse tête, il parle même plus, frère. Avec tes gros boutons là, vas-y, parle là avec tes gros boutons, t'arrives plus à parler, c'est tellement. Tête de cul, viens! Tu parles plus parce que si tu parles. Même je veux que tu m'emmènes! Si tes boutons ils vont exploser comme ça, ça va faire la bombe nucléaire de Tchernobyl, c'est ça? Ah oui! Emmène-le chez le médecin, Boutonneux. Tu connais le bon médecin ici? Bah, tu l'emmènes. Tu le fais. Emmène-nous. Après, il va lui arriver un truc, on va encore dire que c'est ma faute. Bah quoi? Mais tu chez le médecin et tu fais. Regarde, Jade, elle vient même plus, Jade. Regarde, elle se cache. Elle a peur de moi. Bah, je suis pas malade, mais tout le monde me dit que je suis malade. T'es fou, mec. Bah alors, guéris-moi! Là-bas, il y a un antidote apparemment. Vas-y, t'as pas des boules à nous prêter là? Des trucs pour jeter? Vas-y, donne. C'est bon. Wouah, j'ai 10. Vas-y, donne-en un moment aussi. Ah, vas-y, donne-moi-en. T'as les boules, t'as les nerfs. Mange-moi. Ouais, tu m'en as donné... Ah non, tu m'en as donné... C'est un ballon. Tu veux? Attends, je... Ouais. Attends, allez, je vais... vas-y. Mets ta tête. Allez, mets ta grosse tête, là. Doucement, les gars, doucement. Ah, je l'ai manqué. Arrêtez. Tiens, bouffe ça. Bouffe ça. Putain, moi je vais d'avoir une. Attends, je vais envoyer une sur monsieur. Oh non, c'est bon, t'inquiète pas. Putain, le coup, là, excusez-moi. Ouais, c'est bon, je l'ai envoyé sur monsieur. Aïe. Oh putain. Vas-y, mon casque pit, putain, ils m'ont niqué mon casque pit. Allez, t'es des perles. Comme ça, il est. Oh, attends, ils ont niqué mon casque. Allez, t'es pas le casque, putain. Boutonneux commence à partir en couille. Putain. Mais putain, mec, il a fini. Qui c'est qui m'a connu là? Bon, ça va, ici à l'endroit. Là où tu t'es bon. Je vais le frapper. Non, l'endroit où tu tiens, ça va, mais quel point ça me se fait KO. Qui veut jouer au jeu de la boule? Oh putain, mais quel con, il a coché Monsieur PKO à cause des pierres, putain. On allonge. Lex, faut que tu viennes ici. Faut que tu viennes récupérer les boules. La gâchette, et tu tires quand tu. Boutonneux.
Donne les boules. Vas-y. Mais il est vraiment mort en plus. Attends, vas-y, passe devant. Ah putain, après tu passes dans le. Donne les boules, partage là. Non, t'inquiète, ça va, ça va. Mais c'est pas une partie de plaisir non plus. Mais vas-y, c'est pour soigner tes boutons, t'inquiète pas. Oh, c'est bon. C'est bon, on passe à l'autre, derrière toi. Oh putain, mais. Munitions. Mais je vais. Avec maman, je dois arrêter. Mais c'est pas moi. Pour le bagage, ouais, j'ai entendu juste avant la première fois. Attention, attention avec votre jambe, la musique est vraiment C'est qui ce boule? Mais incroyable quoi. La première boule, tu crois que je t'ai pas entendu? Trou du clou, quoi, poète de merde. Aïe, poussez-vous là, je suis énervé. Vas-y, ok. Putain, c'était complètement. Calmez-vous, monsieur Pikao, calmez-vous. Du coup, bon, par contre, qui m'a frappé, qui m'a pété mon casque là. Calmez-vous, monsieur Pikao, vous avez été fragile encore. Vous avez été fragile. Ah putain, c'est vrai, en plus, quoi, il va me déglinguer le pied là, en plus, là. J'espère bien, j'ai. Putain, merde, elle m'a dit ce matin au téléphone, elle vient et tout. Putain, mais merde, mon mot. Paul de Carotte. Complètement bête ou quoi, je t'ai rien appris après toutes ces années. Paul de Carotte, t'approches pas, ouais, je t'ai entendu dire. Je vous jure, monsieur Pikao. Putain, mon mot, bête, tu prends d'un pouls. Ah ouais, c'est excusez-moi, j'ai une question. C'est qui m'a poussé, qui m'a littéralement pété mon casque de DJ 3000 balles? Ah oh, bah je sais pas, ça demande à ta mère. Three hours later. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour la première année, Momo va passer en classe supérieure. Bravo Momo. Bravo. Oh non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est un non, c'est bien vrai. Voilà, voilà. J'ai également l'honneur de vous annoncer que Poil de Carotte va également passer cette année. On va passer tous les deux. 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 Je monte de clap. On va passer tous les deux. Bravo, bravo. C'est pas du sonnette. C'est pas du sonnette. C'est pas du sonnette. C'est pas du sonnet. C'est pas du sonnet. C'est pas du sonnet. Bravo. Va taper Momo. Va taper Momo. C'est pas du sonnet. 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 Momo, pas ouais, attends, tiens. Bon, moi je vais pas te voir pendant 2 mois pendant les vacances. Ah, bon, pendant 2 mois vous allez pas me taper, ça va manquer mon œil. J'aime bien comme ça. Comme ça là, quand vous me tapez avec vos poings là. Quand vous mettiez vos poings là dans ma grosse gueule là, comme ça, comme ça. J'ai pas de douille. C'est dégueulasse. Peut-être tu peux venir, t'es pas moi. Si je peux venir te taper une ou deux fois pendant les vacances. Merci, merci. Ça me fait plaisir, monsieur Pikao. Vous savez pas à quel point. Oh, moi, elle est où la modèle, Pikao, vous allez trop manquer. Monsieur Pikao, vous êtes le meilleur proviseur de toute la terre entière. Oh putain, je suis juste après une minute d'écoute. Ah, toi, t'es le meilleur élève de. Oh, je vais m'applaudir dans la deuxième, moi. Toute la galaxie du monde entier. Avec Paul de Carotte aussi, moi, je dirais bien quand même. C'est grâce à vous qu'on est aussi, on est aussi débile, monsieur Pikao, vous savez. C'est grâce à vous qu'on est, qu'on est nul comme ça et qu'on arrivera à rien faire dans notre vie. C'est grâce à vous, monsieur Pikao. Oui, c'est grâce à vous. On va finir ça, comme vous, monsieur Pikao. A few moments later. Momo, on va repartir à une autre aventure là. J'espère que. On va s'en sortir, mais. Oh non, non, mais moi j'ai pas trop envie de venir. Voilà, je te cache pas que. Moi j'ai juste envie de me barrer là, j'ai envie de me casser d'ici là, ils m'ont tout saoulé là, c'est école. Mais justement. C'est tous des moukats. Apparemment il y a une malédiction, il faut qu'on résout cette malédiction. Malédiction, mais ça c'est dans les. Et tu es lié Momo, tu es lié. Tu es lié. Voilà, tu vas pas te devenir un peu plus con que d'habitude. Toi, tu vois plus que t'es plus normal par rapport à avant. T'as perdu un peu la tête. Mais c'est toi t'as perdu la tête. T'étais pas aussi con que ça avant, souviens-toi. Ouais si, j'ai toujours été con. C'est toi qui est bizarre. Mais ouais, c'est toi t'es bizarre. N'écoute pas, il c'est est mal. Fou. C'est ouais, j'avoue. C'est... Écoute, boutonneux, la qu'est-ce raison. Qu'on a dit Momo on est... Maintenant tu es du côté du boutonneux. Bah ouais, parce que t'es chelou. On était ensemble, toi. On faisait confiance. T'essayes de me remonter le cerveau. J'ai fait quoi? Pourquoi t'essayes de me remonter le cerveau? Tu n'as pas de cerveau. Il a failli me planter. Ah, tu vois, en plus, tu ton m'as... cerveau il est resté ah, là-bas, plus, où on va aller pour un con. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, désolé, boutonneux, c'est pas toi. Regarde, c'est... même ton esprit veut taper boutonneux, tu vois. Vas-y, vas-y, avec ta moto là, tu. Mec. Vas-y. Zabé, va. Mec, écoute-moi. Espèce de Zabé la moche. Écoute-moi. Zabé la moche. Là.
Là, on va chercher ton cerveau qui est resté là-bas. Eh, regarde derrière toi, regarde derrière toi. Arrête, déconne pas, pars pas. Putain. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Pas. Connard. Le con. Tiens, ça lui apprendra. Oh, le con. Ça va? Oh mec! Mais t'es David con ou quoi, Momo? Mais toi aussi t'es bizarre! Je croyais que c'était un pote! Ouais, vous êtes tous bizarres en fait! À la moindre seconde, tu tournes ta veste! Oh, tu me prends pour un con, vas-y, c'est bon! On est ensemble! On était des potes! Mais quoi? J'ai fait quoi, enculé? Mais t'as, tu me prends pour un débile là, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé là! Mais t'es débile! On est débile! Mais toi, t'as cru t'étais quoi? Ah, t'as cru t'étais quoi? Oh, vache! Mais je suis débile! Je suis aussi débile! Et c'est pour ça que j'y vais là-bas! C'est, comme par hasard, c'est toujours moi qui vais dans l'école, dans le souterrain, qui c'est qui passe en premier. C'est moi, c'est qui reste derrière? Écoute, c'est maman, Paul de Carotte. Si pareil, viens, dans la grotte, la promets, dernière fois, c'était moi. Mais voilà, c'est toujours moi. Vas-y, c'est bon, c'est quoi? Je te promets, je te lâche pas, maman! Ouais, c'est toujours moi, c'est toujours le rebut, de toute façon. Je te promets, je te lâche pas! De toute façon, tu m'utilises comme un objet. C'est le robot, tu le mets en j'ai première ligne. J'ai besoin de toi, Momo, j'ai besoin de toi. Comme ça, si je crève, tant mieux. Comme ça, eh ben, ça fait le petit bonheur aux Momo, esprits. Et toi, t'es bien content. On a besoin de toi. Bah ouais, c'est bon, j'ai compris. Je te promets, toi et moi, on restera ensemble, collés, si on va là-bas. Les autres, s'ils vont loin. Moi, ça fout, vas-y, on y va. Allez, Monsieur Pika, on va aller le chercher. Prends ta moto, on se barre, vas-y, c'est bon, ils ont saoulé, là. Ah mon dieu, c'est glauque ici. C'est ça, je crois. Ah, c'est vraiment bizarre ici. Flipper. Bon, voilà. Bon, voilà, vous savez où c'est. Maintenant, passez une bonne soirée. Allez, salut. Ça fait un peu flipper. Moi, je repars avec maman. Alors, allez, comme ça, tu te casses, maman. Allez, bouteille. Tu ne poses pas tes couilles. Tu laisses les parents. Ah, non, c'est mon problème. C'est pas les miens. J'en ai rien à péter. Eh, maman, sors de cette voiture tout de suite. S'il te plaît, là. De chétan, de machin. Maman, garde la voiture. Vas-y, reste avec moi. Eh, maman, de toute façon, on va pas te laisser partir, là. Non, mais je m'en fous. Je prends dans la voiture. Eh, les gars, il y a un traumatisme. Il a eu un traumatisme la dernière vous fois. Vous savez les quoi aussi. Je garde les voitures, c'est jamais. Il y a peut-être un je voleur fou, dans le moi. Coin. Il y a peut-être un, il y a peut-être un bougnoule dans le coin. Il va essayer de voler. Du coup, bah, je vais les. Voilà. Ah, voilà. Tu passeras pas, Momo. Bon, tu sais, là, je peux avancer et faire demi-tour. Ça revient au même, hein, tu sais. Non, tu m'en fous. Momo, qu'est-ce qui tu passeras pas, Momo. Mais il a eu un traumatisme la dernière fois. Il est resté 3 semaines à l'hôpital quand on a fait un truc comme ça. T'inquiète, avec nous, on fera attention à toi, promis. Ouais, j'ai avec nous, ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Allez, viens. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, Momo, c'est bien. Ouais, vas-y, je vais rester. Ça, c'est le moment que je reconnais. Allez, boutonnez, monte-nous là. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Passe devant, vas-y, toi. Mais toi, tu connais le chemin. Passe devant, c'est toi qui le connais. Mais t'es fou toi. Vas-y, poil de carotte, passe devant toi, c'est toi qui connais le chemin. Vas-y, c'est bon. Toi, je connais pas le chemin, mais c'est bon. Ah, moi je reste bien derrière. Hein. C'est quoi ça? C'est un ancien bunker? Ah ouais, c'est grave chelou. Je crois que c'est un temple, mais je suis pas sûr, c'est ce qu'il y a du jab. Ouais. Ah, ça y ressemble beaucoup en tout cas. À toi, l'autre. T'as la lampe. Mais t'as la lampe. Bah vas-y. Éclaire. Eh, t'es moi, il y a des petites statues là. T'es moi, les petites statues. Oh non, eh les gars, non, les statues, vous savez ce que ça veut dire. Putain. Hey, il a un tout petit kiki. Eh, tu crois que ça se vend cher si on peut les voir? Attends, mets la lumière là, on voit rien. Tu crois que ça vaut cher? On peut les voler et les vendre peut-être? Eh, ça dépend si c'est en or ou pas. Eh ouais, mais ça a l'air d'être de l'or, non? Je sais pas, t'es moi, vas-y, approche-toi avec moi. Ouais, j'ai l'impression que c'est de l'or. Mais bon, on n'est pas venu pour ça, Momo. Tu peux directement dire ça là. Attends, bah on peut se faire de l'argent facile. Mais on n'est pas venu pour vas-y, ça, Momo. Putain. Momo, t'es pas capable d'aller au fond. Tu peux pas capable d'aller au fond. Je t'appelle pas Momo pour rien.
Attends, et doucement, bon... va pas tout seul. Bah au fond, t'as... Ah putain, les ombres, eh, mes propres... Il y a un passage ici, les gars. Me fait peur. Là aussi, il y a un passage. Tu m'éblouis avec la lampe. Ah, ça va. Mais ça sert à rien, ce truc. Voilà. Bah... Les gars, il y a de l'eau. Ah, il est là. C'est un labyrinthe, c'est ça. Mais si. J'entends une source d'eau, les gars. Mettez votre oreille au mur, regardez. Les gars, vous entendez? On dirait qu'il y a de l'eau. Il y a pas une source d'eau là? Je sais pas, regarde, mets ton oreille au mur, on l'entend. Ouais. On dirait, non? Bah, je crois que j'ai trouvé un truc là. Ah, j'ai trouvé un truc ici là. Y'a rien ici. Ah, j'ai trouvé un truc ici, là. Ah, venez, ramenez vos fesses là. Par ici. Ah ouais. What? Quoi? Oh putain. Ah y'a un passage et tout. Ah faites attention, y'a plein de bestioles. Y'a quelqu'un? Ça m'en a mal les couilles. Vas-y doucement. On est gentil. Allez-y doucement. Jade. Laisse-moi passer devant Jade. Vas-y. On a du shit si vous voulez. Tu peux le... Ah ça pique ces arbres là, c'est puissant. Oh, c'est quoi ça? C'est du sol. Ah comment j'ai bien fait de mettre un pantalon de machin. Ouais, oh. Je l'avais dit. Momo. Ça pue le monstre, regarde le chien crevé. Ouais, y'a de la lumière. Attendez, mais les gars, c'est un truc inca, c'est quoi cette merde? Attendez. Eh les gars, dans les trucs comme ça, y'a des malédictions généralement. Faut faire les trucs inca, s'il faut faire les. Comme ça, et on avance en même temps. Carotte, tu ressens quelque chose ou pas? Tu sens des vibrations, quelque chose en toi là? Ben, je sais pas, ça y est. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule. C'est comme Indiana Jones. C'est comme le Indiana Jones. Les gars, y'a un trou là, faites gaffe. Attention. Là, doucement. Oh putain, ça descend. Attention, faut te glisser pas. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? On va vraiment doucement. Doucement, les gars. Oh, faites gaffe. Faites gaffe, les gars. Doucement, il y a un piège. Les gars, imaginez, on peut pas ressortir d'ici. Attention. Les gars, faites gaffe, hein. J'ai peur. Prends-moi la main. Allez-y. Merci. Attention, okay. Fais notre trou là. Tu me tiens? Allez, vas-y, Jade. Aide-toi du mur, vas-y, saute. Prends, demande toi qui la tapette. Merci, Lucius. Merci, Lucius, tu m'as rattrapé. Fais gaffe, fais notre trou là. Hein? Non. Ah non, il est tombé. Oh, attention, Lucius. Ah oh non, putain! Non, t'as failli tomber, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je crois qu'il est coincé, Carole. Ah oh non, putain! Non! Attends. On peut plus remonter, faites gaffe, vous pouvez plus remonter. Attends. Y'a une porte là. Ouais! Momo, aide-moi! Aide-moi, Momo. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, wesh? On a glissé, on est tombé d'en haut. Aide-moi. Oh putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, je suis en train de lui faire les premiers soins là. Faut aider à la relever. Attends. On est tombés tous les deux là, on sait pas où sont les autres. Putain, mais ils sont passés où tous? Bouge pas, Alexis, on va s'occuper de toi. Fais chier. Mais comment ça se fait? Vous êtes tombés dans un piège ou quoi? Il y avait une porte. Pourquoi vous avez pas pris la porte? Je crois qu'on a... La porte, elle était fermée, elle était bloquée. Moi, elle était ouverte. Ah, bordel. Oh putain, c'est bon. Ça va, Alexis? Oh la vache, je suis tombé de haut, je me suis fait archi mal. Ah, t'es plein de sang. Vous êtes plein de sang. Ça va, Lucius? Ouais, ça va. Lucius, t'es passé dans le mur? Y'a une jungle, putain! Oh là, c'est quoi les trucs qui bougent là? Oh, c'est quoi ce délire? Jade! Oh, c'est quoi ça, mon frère? Hey, non, il faut pas y aller, hein! Hey, n'y va pas, wesh! Tu vas finir en steak haché, mon frère!
Ouais, mais y'a Jade et Greg, ils sont où là? Mais je sais pas, Je sais pas. Ils étaient pas avec vous? Moi, je suis allé tout non. seul. Ouais, putain, attends. Oh putain. Vous êtes sérieux? Il y a une dimension temporelle ou un truc comme ça là-dedans, non? Je sais pas ce qui se passe, mais ce temple est maudit. Écoute, Momo, ne bougez pas. Il y a des marteaux qui montent et qui descendent. Faites attention, c'est dangereux. Faites attention. Bah ouais, c'est dangereux, j'ai remarqué, merci. Ok, mais Lexi les voit pas. C'est bon, je les vois. C'est ok. On fait attention. Et il va falloir passer en rythme. Ok. Wow. Oh putain. Vas-y, passe. Oh putain. Attention. Allez. Mais c'est un fou lui, t'es malade. Ouais, putain, y'a du feu en dessous. Attention, Lexis, attention. Vous êtes sérieux là? Comment on fait pour passer là? Allez, on y va, courez. On va cramer! On va finir comme du ralouf! C'est quoi ce truc? Ah! C'est quoi ça? Y'a du sang partout! Y'a des pics! Tiens, attention! Vous êtes sûr là de ce qu'on fait là? Moi, j'aime pas trop beaucoup ça! Wow! Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment on est sur... Y'a forcément un piège là, on peut pas passer comme ça hein. Là, attends. Tiens-moi les branches là. Y'a moyen de passer là à mon avis. Non. T'es sûr? Bah je sais pas. Faut tester la... Non mais tombe pas. Oh Lucie, ça va. J'ai mal aux jambes mais ça va. Putain mais... Regardez là-bas, y'a un truc là, vous pouvez essayer de remonter. Je vois des branches. T'arrives pas à prendre maman? Essaye de choper maman. Oh putain. Non, j'y arrive pas. Essaye de m'attraper, Momo. Vas-y. T'aimes trop. Oh putain. Faites-vous la courte échelle au pire. Wow. Oh putain. Vas-y. Moi, je vais pas plus loin, c'est mort. On est coincé, de toute façon, on est obligé d'avancer là. Non, mais moi je vais faire demi-tour, je vais retrouver les autres. Attends, ça se trouve, ils sont bloqués ou quoi? Je sais pas, attends, il faut que j'essaye de les retrouver. Je peux retourner c'est en arrière. Impossible. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible, rien n'est impossible pour Momo, sache-le, ma petite Lexi. Moi je vais les retrouver. On peut pas, ça se trouve, ils sont enfermés quelque part, ils sont dans un piège, je sais pas moi. Écoute. Ils sont tombés à un endroit, on les entendait parler et ensuite on les a plus entendus. Pas vrai, Lucius? Bah ouais, bah alors justement, on est revenu. On a vu quelque chose de bizarre aussi entre temps, putain. Ouais, faut pas y retourner, il y avait un espèce de démon et il ressemblait à. Putain de merde, j'ai honte de dire ça, je te jure, je te mens pas, mon mère ressemblait à Venom dans Spider-Man. J'avais une substance noire bizarre, je sais pas, c'était bizarre. Avec des grands dents. Ouais, mais. Attends. J'ai pas vu un truc bouger là-bas? Ah non, c'est la porte. Ah oui, c'est la porte, putain. J'ai cru que c'était quelqu'un. Mais on peut pas les laisser. Attends, j'essaie de l'appeler. Essaie d'appeler, attends. Je sais pas si j'ai du réseau. À mon avis, ici, ça va être chaud. Hein. Je vais voir là-bas, là. Ça a coupé, non. Je vais essayer de la rappeler. Ça a marché, tu l'as entendu? Je l'ai entendu, mais ça a coupé après. Ça veut dire que tu peux peut-être lui parler, lui dire que. Déjà, si elle te répond, c'est qu'elle est en vie. C'est déjà elle est en vie. Il est parti tout seul en plus, l'autre gag. Putain! Et lui, il veut vraiment crever, voilà, je te jure. Putain! Elle répond plus?
Elle m'a dit, je suis rappelé en 10 secondes, elle doit s'occuper de poils de carotte. Poils de carotte, c'est des PC apparemment. Oh, Thomas, y'a des tigres! Y'a des tigres! Wesh! Thomas! Ça se trouve, ils ont. Je sais pas, ils sont dans une grotte comme ça et ils nous ont senti, tu vois. Ils ont senti l'odeur. Lucius, y'a des tigres! Y'a des tigres, Thomas! Ça! Bah, en face là, sur la broche! Ils nous regardent! Quel tigre? Je vois rien, moi! Tu vas pas sur la broche! C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Mais moi, je reste pas ici. Je vais essayer de rappeler Jade. Jade, quel poil de carotte, il est blessé apparemment. Ça capte mal, j'arrive. Je l'ai une fois sur 40. J'essaye ou pas? Bah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh! Lucius! Pas toi. Qu'est-ce que t'as? Maman! Maman! Oh putain! Qu'est-ce que vous êtes là? Tiens-toi. On a déjà une à droite. Qu'est-ce que vous êtes, putain de merde? Vas-y, démon! Si c'est ta chemin, je t'en supplie! Démon, fais ton travail. Monte-le. Non, Lucius. Lucius, j'en suis plus détaché de moi. Qu'est-ce que t'as fait? Lexi. Tu sais, Lexi, tu as mis tellement de bâtons dans les roues. Je vais t'expliquer maintenant tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Tu vois, quand on allait à la grotte, il y avait effectivement un démon. C'était Boutonneux qui l'avait amené, une putain de statue. Ce démon-là m'a contacté. Et il m'a demandé de réaliser des petits services. Et en contrepartie, réaliser mes services. Mais c'est quoi cette putain d'histoire? Là, tu vois, pour quelques services, j'utilise 5 ans de ma vie. Je réduis 5 ans d'espérance de ma vie pour faire ça. Et pour arriver à mes besoins. T'es qu'un putain de fils de pute, j'avais raison depuis le début, t'es qu'une grosse merde. T'es qu'un putain de malade en fait, espèce de gros con, va. Je te crache à la gueule, j'espère que tu vas crever, espèce d'enflure. Et moi qui me disais que ce soir t'étais...